Bon après-midi, c'est tout. Ok, moi j'espère que je moi, n'est qu'un élève reply si je mais je peux faire chapitre appel number system, d'accord. Et je vais éteindre mon caméra là, correct, parce qu'il m'a plus que ça. Ok, allez, caméra éteint. Éteint tout le temps. Allez, un élève répond si je la vois, je peux allez, correct. Oui, allez, nous continuons là. N'est que moi stop mon caméra là, parce que là, je vais écouter plus bien, je vais me concentrer plus. Ok, ready, set, go. Chapitre qui nous dit binary et hexadécimal. Correct, ça c'est chapitre qui nous peut guider. Et nous avons number system. Correct, et nous avons number system. Nous avons un recap, nous avons un corrigé de voir. Vous avez un qui peut suivre la number system. Chapitre c'est number system. Correct, pen. Vous avez un peu de mots aussi là. Pen. Ok. Vous avez un arrêt de mots aussi, c'est un nombre aussi, exemple. Allez, pas grave, t'as l'air de nous guetter une goutte qui fait pas le mot aussi. Ouais, il y a une mot aussi là. À tissu. Ok, allez, plume rouge. Ok, chapitre c'est number system, tous les enfants vont suivre. Et est-ce qu'il ne commence record oui, Aston ne commence record là. Hein? Ouais, il peut déjà record. Ok, number system ne peut causer. Bon, nous guetter une goutte bien. Ouais. Voilà. Ok. Number system, ce chapitre-là, nous cause décimal avant. Décimal veut dire base 10. Base 10, il y a 0 à 9. Ok. Ça, on n'a pas de compter. Les autres professeurs mathématiques, ils ne font pas de compter de décimal. Décimal sur l'autre nom. Ça n'a qu'à dire décimal sur l'autre nom. Décimal sur l'autre nom. Dinery, très bien. Dinery. Ok. Nous avons écrit cap là. Nous voyons vite là. Dinery. Ça, c'est nous, nous avons compté 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il arrive 9, il arrive N0, NN, ND, N3. C'est-à-dire 10, 11, 12, il y a aller comme ça. Ça, c'est dinery. Mais nous disons, mathématiques humaines nous comptent de dinery. Computer, il compte le binary. Computer comprend binary. Dinery veut dire base 10. Binary veut dire base 2. Dinery veut dire base 10, 0 à 9. Binary veut dire base 2, 0 avec N. Est-ce qu'il y a encore l'autre number system? Oui, octal. Qu'est-ce que ça octal, octopus, 8. Base 8, et il fait 0 à 7. Hexadécimal, veut dire base 16. Base 16, les 0 à 9, les là, les supposés, 10, etc. 10, 11, 12, 13, 14 et 15. 0 à 15, les supposés, il y a 16 chiffres. Mais si on ne pas dire 10, de place dire 10, nous dire A. De place dire 11, nous dire B. De place dire 12, nous dire C. De place 13, nous dire D. De place 14, nous dire E. Et de place 15, nous disons F. À cause de ça, il n'y a que 0 à 9 avec A à F. Il fait 16 digits en hexadécimal. Allez, résumé. Number system. Il y en a base 10 qui appelle dinery. Base D qui appelle binary. Base 8 qui appelle octal. Base 16 qui appelle hexadécimal. Dans notre syllabus, il y en a octal. À cause de ça, nous ne pouvons pas trop causer octal. Correct? Octal, nous ne pouvons pas causer qui fait parce que dans notre syllabus, il n'y a pas cause octal. Ok? Maintenant, nous continuons. Nous avons un coup qui nous l'en prend après ça. Voilà. Nous avons un devoir de corriger. Voilà. Nous avons récap vite vite. Veut dire décimal veut dire base 10. Binary veut dire base D. Octal veut dire base 8. Hexadécimal veut dire base 16. C'est ma octal pena dans la syllabus. Nous ne pouvons pas trop causer. Right. Bon, nous expliquons. Binary veut dire 2. Veut dire 0 avec N. 0 veut dire off. 0 veut dire off. N veut dire on. Correct? Et ça mot binary bits, B-I-T-S. Comment il gagne ça mot là? Ça binary là, B-I veut dire bits, B-I. T-S veut dire digits. Voilà, B-I-T-S devient bits. B-I-T-S. Binary digits. B-I-T-S. Binary digits. Bon, je en train de compter, je professeur mathématique, il fait je compter dans la décimal, base 10. Veut dire 10 to the power of 0, veut dire 1. 10 to the power of 1, veut dire 10. 10 to the power of 2, veut dire 100. 10 to the power of 3, veut dire 1000. Correct, ça, on n'a pas de compter. Mais binary, comment nous dire, base 2 ça. Ok, base 2 nous dire, ce ban heading différent. Vous allez qui nous suivent classe là, les vous rappelez. Et voilà, un enfant peut rentrer, laisse-les rentrer. Oui. Ok, bon, binary,
Avant ça, nous allons prendre binary base 10. 10 comment nous dire? 10 above 0, veut dire unit. 10 above 1, 10. 10 above 2, 100. 10 above 3, 1000. 10 above 4, 10,000. Et là, il y a 10 above 5, il y a 100,000. Ok, 100,000, il y a aller comme ça. Il y a aller. Et nous ne pouvons pas faire binary, nous pouvons faire binary. Ok, binary, comment il s'en sort? Il y a 2 to the power 0. Binary, c'est 2. 2 to the power of 0 means your unit. Anything to the power of 0, x to the power of 0, the 1. 2 to the power of 1, 2. 2 to the power of 2, 4. 2 to the power of 3, 8. 2 to the power of 4, 16. 2 to the power of 5, 32. 2 to the power of 6, 64. 2 to the power of 7, 128. Tous enfants connaissent. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Après 128, il vous met 2 to the power of 8, veut dire 256, bons élèves connaissent. Et 2 to the power of 9, 1512. 2 to the power of 10, veut dire 1024. Ça, nous finit faire. Il y a nous aussi cause convert. Voilà, convert. Les modèles d'un chiffre en binaire, nous avons fait les vins, binary, base 10. Ça, nous finit expliquer, nous finit faire des voix là-dedans. Et un seul exemple pour vous faire pour les enfants là, connaît comment faire ça. Là, nous t'expliquer. Hein. Correct? Nous te dire, mettons, nous donnons un chiffre. Ok, là. Nous prenons l'exemple pour les enfants qui partent suivre sa classe là. Nous donnons l'exemple, par exemple. Ok. Nous donnons l'exemple là. Nous donnons sa question A là, nous devons référer. Si nous donnons 0, 0, N, N, 0, N, N. Il y a binary, ça. Qui fait il y a binary? Parce que. Non, je n'ai rien là, mon premier temps. Coin 0 avec n. Bon, il y a un binary. Qui fait un binary? Seulement il y a 0 avec n. Question c'est quoi? Convert the binary number to binary. Binary veut dire faire une base 10. Correct? Nous pouvons convert. Et là, nous convert, nous mettons sur heading de base 2. N, 2, 4, 8, 16. Ok, nous faisons ça 16. 32, 64 et 128. Nous finissons d'expliquer dans la classe, dans notre bonne vidéo. Mais il y a de nous multiplier n fois n, il faut une n. N fois 2, fait 2. N, 0 fois 4, 0. Ici, il fait 0. Ici, il fait 16. Ici, il fait 30. Veut dire 30 plus 16 plus 0 plus 0 plus 2 plus n. Et nous avons une réponse. Comment nous avons gagné? Il fait 30 plus 16 plus 3, non? 2 plus n fait 3. Nous avons une réponse 51. Veut dire, une minute, vous êtes un 50e raté. Bon, 0, 0, n, n, 0, 0, n, n, leader base D. Si nous convertis à base 10, nous pouvons 50e. Et ça va nous dévoiler, nous finis corriger dans la dernière leçon. Maintenant, dans la leçon dimanche, nous t'expliquer comment faire binary in binary. Nous avons deux méthodes. Nous faisons method 2 avant. Correct? Method, non, nous faisons method 1 avant. Correct, ça nous expliqué la dernière classe. Je fais une vidéo, je finis à vous. Bon, ici, il peut donner un binary, mais de base 10. Il peut dire, tu as fait une binary. Correct? Mais tu fais method 1. Je vous dis, nous, si nous capables de faire method 2. Et un exemple là-dedans, tu prends de method 1, nous tu expliques ça, et je vous dis, nous, corrige des voies. Je pense que ça, nous, non. Correct? Allez, je vais reprendre ça. Bon, question, c'est convert, je donne une affaire de binary. Je peux dire, tu as fait une binary. Et ça, l'exemple, je vais faire dans la dernière vidéo. Je vais refaire. Et pour faire ça, je vais ouvrir un paint, je vais faire ça. Je vais dire, je vais donner 41. 41 dans qui base? Base 10. Je vais faire ça, faire une binary. Bon, comment tu fais une binary? Tu fais une binary sur power. 2 to the power of 0 fait 1. 2 to the power of 2 fait 2. 2 to the power of 0 fait 1. 2 to the power of 1 fait 2. Il y a 1, 2, 4, 8, 16, 32. Et 64. Vous avez écrit une parole là, jusqu'à ce qu'il dépasse le numéro 41. Vous avez dit, vous donner un 41 roupies. Et dans la base D, qui est le coin, vous avez un coin 1 roupie, 2 roupies, 4 roupies, 8 roupies, 16 roupies, 32 roupies, 64 roupies. Maintenant, vous avez donné un 10 moun quoi? Vous allez poser une question, vous pensez si mon caranique dit. Moi j'ai lu paper 1, je vous dis là, hein? Paper 1, chapter binary. Correct? Allez, nous continuons. Allez, nous retournons nos explications. Correct? Dans Paint, nous pouvons convertir 41 qui est de base 10, c'est tout d'accord, il est de base 10, nous pouvons faire une base D.
binary. Fait limite de base, de écrire binary sur un heading. Binary sur un heading, il y a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 yali. Mais qui fait nous arriver 64? Nous avons donné du monde 41 roupies. Nous pas nous mettre 0 là, veut dire nous pas pour donner 64 roupies. Mais si nous avons 41 roupies pour donner du monde, est-ce qu'il est capable de donner 32 roupies? Oui, nous capable de donner un billet de 32. À cause de ça, nous mettre N là. Correct, nous mettre N là. Voilà, 32 roupies. Veut dire 41 tiers 32, comment faire ça? 41 tiers 32, il faut faire 9. Nous reste 9 roupies pour donner du monde là. Est-ce qu'il est capable de donner 16 roupies? Non, nous mettre 0 là. Est-ce qu'il est capable de donner 8 roupies? Ok. Est-ce qu'il est capable de donner 8 roupies? Oui. Bon, un enfant peut demander un link là. Là. Si je suis capable de donner un link là. Puis, une minute. Allez, ok. Maintenant, voilà. Nous donnons un coin 8 roupies. Nous donnons un coin 8 roupies. Combien restait 1 roupie? Je dis à moi, vous donnez 4 roupies, moi vous donnez 10 roupies, moi vous donnez 1 roupie qui restait. Et 1 roupie qui restait maintenant. Les moitiés à 1 roupie là-dedans, Paris, non, il y avait 0. Correct? Allez, nous allons tester. Nous allons checker nos réponses dans l'examen. Non, avant de checker nos réponses, nous allons écrire nos réponses là. 0, N, 0, N, 0, 0, N. Ça veut dire 41 de base 10 en binary, nous écrit comme ça. 0, N, 0, N, 0, 0, N. Maintenant, dans l'examen, nous allons checker si nos réponses sont bonnes ou pas bonnes. Nous checker. Comment nous checker? N fois N, il fait N, N, 2 fois 0 fois 10 fait 0, 4 fois 0, 0, N fois 8, 8, 16 fois 0, 0, N fois 32, 32, et 0 fois 64, 0. Là, nous avons ajouté à ce là, nous avons ajouté, nous avons décidé de nous avoir la même réponse. Ok, nous faisons 32 plus 8, fait 40, 40 plus N fait 41. The answer is good. Ok, mon check est bon. Correct? Maintenant, on peut faire un autre numéro pour vous. Rapidement, et nous pouvons continuer à expliquer. Nous voyons le fil classement. Hein? On prend deuxième numéro, 67. Correct? 67, ça pourrait être moi là. Hein? Mes enfants peuvent suivre. Il y a un motif à lire, mon père fait lire. 67. Allez, right. Allez, 67 de base 10. Ok. Si nous avons fait ça, il y a un peu plus épais. Non? Voilà. 67 de base 10. Je fais un zoom comme ça. Voilà, CTRL E. Attendez, CTRL E, CTRL E. Allez, vite un coup là. Allez, 67. Non, qui n'a rien. Allez, 67. Oui, 67. De base 10, le PDA nous fait living binary. De base 10. Correct. Allez, pour faire 67, win de base ça, ce qui nous besoin faire. C'est nous besoin d'écrire heading. Bon, tous les enfants bêtent de moi là. Je te l'aime là. Allez. Allez, ça nous déjà fait. Ouais, mon père fait aller pour les enfants qui partent là. Mais là, quand suivre, les plus bien. Bon, nous besoin d'écrire base D sur heading. 1, 2, 4, 8, 6. Je te connais comme moi, tous les above 0, tous les above 1, tous les above 2, tous les above 3, tous les above 4. Là, il est 30. Mon papa arrête là. Mon besoin continuer parce que mon abou donne du monde là 67 roupies. Mon papa arrête hors coin 30 roupies. Il vient 32, là il vient 64. Moi, pas qu'à arrêter là aussi. Moi, besoin un petit peu plus que ça. Moi, je donne 64 fois 10 fait 120, 128. Donc, comment gagner ça heading là pour les élèves qui parcourent? Tout about 0, fait 1, tout about 1, il fait 2, tout about 2, il fait 4, tout about 3, fait 8, tout about 4, fait 16, tout about 5, tout about 6, tout about 7, il y a aller comme ça, nous gagnons ça. Maintenant, moi, je vais donner 67 roupies enfants. Mon papa a donné 128 roupies, je mets 0. Mon papa a donné 64 roupies, oui. Je vais donner 64 roupies, à cause de ça, je mets N. Retirer. Dans 67, je vais donner 64. Combien reste 67 tiers 64 reste 3 roupies. Voilà. Il reste 3 roupies. Mon papa a donné 32 roupies, non. Mon papa a donné 16, non. Mon papa a donné 8, non. Mon papa a donné 4, non. Mais mon papa a donné D. Bon, les mots donné D. Combien me reste? C'était N. Et les mots donné ça N là, combien reste 0. Les comptes est bon. Maintenant, dans l'examen, comment te vous connaissez si pas de réponse bon ou ça pas bon? Tu dois faire un check. Bon, avant de faire un check, moi, écrire la réponse ça là. 0, N, 0, 0, 0, 0, N, N. Ça, ma réponse de base. 10. Correct? Allez, pour check, Aster. Checker si réponse bon ou pas bon. Ok, check. Ok, check.
Bref, allez te multiplier. Ça lui fait 0. Ça lui fait 64. Ça lui fait 0. Ça lui fait 0, 0, 0. Ça lui fait 2. Ça lui fait n. Ajoute tout ça là. Je vais dire 64 plus d plus n. Bon, 64 plus d, comment faire? 66. 66 plus n fait 67. Ok, good. Je vais dire nous avons une réponse. Correct? Allez, je vais prendre l'autre exemple. Parce que, correct, tous les enfants, correct là? On va continuer? Ok? Allez, on continue. Bon, allez, right, nous continuons. Nous délite ça, nous reprenons un nouveau numéro et je pourrais de moi, ça me fera de bien causer en même temps. Ça me fera 100. Non, non, mon raté là, 86, non? Allez, 86, nous vous prenons. Nous vous travaillons 86. Right, attends, plume, donne-moi plume. 86. Bon, 86, lit de base, 10 ça. Et question, c'est convert. Convert, lit de base, 2. Correct? Allez, pour convert, lit de base, 2, vous avez écrit base, 2 sur mon heading. Sur heading N, D, 4, 8, 16, 30, 64, 128. Correct, la 128. Bon, moi, je vais donner un petit monde, soit 86 roupies. Moi, je vais donner 128 roupies, je vais mettre 0 là-dedans. Bon, dans 86, est-ce qu'il m'a capable de donner 64? Oui, il m'a donné 64. 64. C'est qu'un coup de c'est bon. Bon, 86 tire 64. Combien reste là? Reste 20. Correct, reste 20. Est-ce qu'il m'a capable de donner 30? Non. Est-ce qu'il m'a donné 16? Oui. Si lui, oui, m'a tiré 16 là-dedans. Correct. 22 tiré 16. Allez, nous avons un coup. Réponse combien? Allez, diamant 6, non? Réponse 6. Moi, je donné 8. Moi, je donné 4. Moi, tiré 4 là-dedans. Right. Combien reste D? Moi, donné D. Et bon, là, 4D. Là, moi, tiré D, reste 0. Je dis là, reste 0. Allez, comment je réécris la réponse là? 0, N, 0, N, 0, N, N, 0. Ça, mon réponse. Mon convert 86 en binary. Ça, c'est sa réponse. Maintenant, pour checker réponse, bon, c'est 64. Voilà. Nous pouvons checker, hein, check. Nous pouvons checker si nous répondons. Bon. Qui fait ne pas faire multiplication par 0? Parce que multiplication par 0, nous pouvons 0. N fois 64, 64. N fois 16, 16. N fois 4, 4. N fois D, D. Le reste pour 0. Moi, j'ajoute ça. Moi, j'ajoute. Allez, dis-moi combien je gagne. Je vais laisser mon réponse. Bon. 64 plus 16. Fait 80 plus 4 fait 84 plus D fait 86. Le compte est bon. 86. Vous avez l'examen ou quand checker ou réponse bon ou ça pas bon ou checker. Ok, good. Correct là, good. On va continuer. Allez, nous prenons l'autre numéro. Allez, nous prenons l'autre numéro. C'est-à-dire, nous sélectionner ça, nous delete tout. On prend l'autre numéro. Allez, déjà avant l'autre numéro, quel numéro on besoin prendre? Allez, vite, vite. 100. Bien, bon, les enfants, là, vont suivre. Allez, rate 100. Le numéro nous prend 100, c'est à 100. Correct, 100 dans qui base, il était ça, dis-moi. Allez, vite, vite, 100 dans qui base. Base 10, c'est un peu ça, dinerie. Et question là, qui l'india, fait l'ivine dans qui base. Base D, comment appeler? Binary. Binary. Allez, allez. Ouais, nous pouvons donner un 100 roupies. Comment nous donner? Nous prenons un coin qui est dans base D. Dans coin qui est dans base D, nous avons 1 roupie, 2 roupies, 4 roupies, 8 roupies, 16 roupies, 32 roupies, 64 roupies. Je ne vais pas arrêter là parce que je vais donner encore plus gros billets. 64 est là qui vient. 120, 128. Correct? Allez, combien nous avons donné 100 roupies? Dans, je ne vais pas donner 128 roupies. Je vais donner 64 roupies. Ouais, je tiens 64 là-dedans. Allez, 100 tiers 64, comment faire? 100 tiers 64, je fais 36. Voilà, merci. Causez en même temps, moi. Hein? 36. Allez, dans 36, est-ce qu'il m'a donné 30? Oui. Correct, moi, donné 30. Je tire. Combien resté? 4. Bon, là? Allez, rate. Je vais donné 16? Non. Je vais donné 8? Non. Je vais donné N4. Si je donné 4, là, combien pour rester à ce 0. Mais moi, je vais donné 10 roupies. Moi, je vais donné 1 roupie. Ouais, moi, je vais donner des roupies, moi, je vais donner un roupie. Allez, réponse qui vient, qui m'a besoin d'écrire ici? 0, N, N, 0, 0, N, 0, 0. Ça, c'est binary. Ok, moi, je finis convert 100 de base 10. Moi, je fais arriver une binary et réponse c'est 0, N, N, 0, 0, N, 0, 0. Correct? Allez, ça, moi, je prends l'autre question maintenant. Right. Allez, ce diamant, quelle question moi, là, vous faire là? Moi, je donne d'autres devoirs. Allez, l'autre question qui vient, diamant. Allez, 111. 111 dans qui base ça? Allez, 111. Écoute, 111. Dans qui base ça?
base 10. Qui l'india nous fait l'ibini? Base D, binary. Allez, moi écris à heading ND 4, 8, 16. Attends, raté là. 16, 32, 64, 128. Allez, combien mon abou donne du moulin? 111 roupies. Moi, je vais donner 128 roupies. Moi, je vais donner 64 roupies. Allez, 111 tiers 64. Vous écoutez combien fait ça? 111 tiers 64. Voilà, reste 47. Très bien, 47. Allez, participez en ce moment. 47. Moi, je vais donner 32. Oui. Allez, nous donnons 32. Après ça, on va mettre N là-bas. Tiens, 32 là-dedans. Combien reste à ce temps? 15. Reste 15. Est-ce qu'il m'a donné 16? Ouais, 15 reste 15. Mon cardonné 16. Non, je vais mettre 0. Astia, je vais mettre 0 parce que mon cardonné 16. Là, qui m'a bouti reste? Mon cardonné 8. Allez, 15, tiens 8, combien faire? Et 7. Allez, right. 7. Est-ce qu'il m'a donné 4? Oui. Il vient 7 tiers 4. 7 tiers 4, combien? 7 tiers 4. Là. Allez, right. Est-ce qu'il m'a capable de donner D? Oui. Je tiens D là-dedans, combien reste N? Est-ce qu'il m'a donné N là-dedans? Je tiens N encore, combien reste à ce 0. Allez, réponse nous écrire 0, N, N, 0, N, 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 N. C'est bon là? À ce pour checker. Comment tu peux checker dans l'examen de réponse bon par bon? Bon, multiplication pour 0, ne pas écrire parce qu'il dit pour 0 même ça. Mais il y a 64, nous avons mettre, 32, nous avons mettre, 8, nous avons mettre, 4, nous avons mettre, D, nous avons mettre, N. Et nous ajoutons tout ça là, nous ajoutons, nous ajoutons, nous ajoutons. Je crois que là, on peut écrire bien, là, je peux trouver. Non, ajouté, non, ajouté. Qui réponse ne supposait gain? 101, non, ajouté. Ouais, 64. Ouais, 111, sorry, sorry, raté. 64 plus 32, plus 8, plus 4, plus D, plus N, divers 111. Les comptes sont bons. Nous gagnons 111. Ok, good, excellent, good. Ok, bon, réponse bon. Correct? Allez, nous prenons notre numéro. Ok, on va prendre notre numéro. Nous guettons. Allez, j'ai marqué le numéro de vous faire ça. Ça m'a dit de nous devoir. 127. Ouais, il y a des enfants qui disent 127. Très bien. Allez, nous faire 127. 127 de base 10. Ça. Et les questions, les pédiaires faire divine base D. Allez, regarde. N, D, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ouais, il nous capable de mettre jusqu'à 128. Moi, là, pour donner un dimanche 127 roupies. 128, moi, pour qu'à donner. Combien vous avez donné à ce Allez, un enfant, c'est malin. Il dit qu'il a fini avec la réponse là direct. Ouais, mais tout N. Tu te rappelles que tu en prends le mais tout N qui veut dire? Mais le next heading minus. Ouais, 128 retire N fait 127. Ça, N le zélé, tu bizarre connaît ça. NNN partout. Parce qu'il y en a NNN partout. C'est next heading. Next heading 128 minus 1. Il fait ça 127. Ça, ben zélé brillant connaît ça. Ouais, c'est un trick ça. Mais c'est moi, faut des enfants là. Il y a encore rappel comment faire ça. Mais il y a un NNN partout, il y a next heading minus 1, 127. Ces enfants-là, s'ils ne suivent mon classe bien, ils vont comprendre qui m'ont causé. S'ils ne suivent pas classe, ils ne vont pas comprendre qui m'ont causé. Là, ils le retirer. Là, ils le retirer une par une. Ils vont faire 127, retire 64, gagne réponse, retire 32, retire 16, retire 8, retire 4, retire D, retire N. Ils le N par N comme ça. Correct? Mais c'est moi, s'ils sont malins, ils suivent classe-là, ils connaissent qui m'ont causé. Correct? Allez, l'autre. 144. Bon là? Allez. 144. Allez, nous battons ça vite vite là. 144. Correct. De base 10. Faire les vignes base D. Base D, hein? Allez. N, D, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Bon, qu'on arrête là, non? Allez. Après 128, qui vient? Des 150? 56. Tous les élèves connaissent comment gagner ça. Hein? Je vous ai déjà expliqué dans la vidéo avant. Je vais mettre 0 là. Je vais donner 144 roupies. Je vais donner 256 roupies. Je vais mettre N code 128. Je vais dire que je retire 128 là. Correct. Je retire 128. Je vais dire 144. Retire 128. Qui reste diamant 16. Allez, je vais donner 64 roupies. Non. Je vais donner 32. Non. Je vais donner 16. Allez, je vais donner 16. Combien reste 0. Allez, c'est-à-dire là, les restes viennent 0. Les restes viennent 0. Correct. Réponse 0, N, 0, 0, N, 0, 0, 0, 0. Il y a un coup de silibon là. Ah, c'est checker. L'examen, vous avez le droit de checker aux réponses bon par bon. Je veux dire, qui vous a
Bon, multiplication par 0, comment on dit, pas important, hein, parce qu'il est bouton 0. Il vient 128 plus combien? Plus 16 plus combien? C'est même tout. Ok, il reste bouton 0. Ouais, combien il vient? 128 plus 16. Ouais, 128 plus 16, il fait toi 144. Qui veut dire? Ouais, d'accord ou pas d'accord? Ok, good, good. Nous avons une réponse. Nous avons fini de checker nos réponses, bon ou ça pas bon. Ok, l'autre question maintenant. J'espère que tous les enfants me suivent. Hein. Allez, moi, delete ça. Ctrl I, delete. L'autre question maintenant. 189 à 1. C'est bon là? 189. Allez, l'autre question. 189. Leader base 10, ça, enfants. Correct. On va faire living base D. Bon, pas bon. Allez, N, D, 4, 8. Tous les enfants connaissent comment il y a N, D, 4, 8, 16, 30, 64, 128. Et 256. Mais vous allez un peu plus, comment dire. Bon, moi, je vous donner du monde 189 roupies. Moi, je vais donner 256. Mon cas donner 128. Je vais mettre N si je vais donner. Et je vais retirer. Retirer 189. Très, très bien. Allez, ben, enfants, rapide là. 61. Correct. Mon cas donner 64. Oui, non. Non, non. Moi, je vous donne du moulin 61 roupies. Ou pas, je vous donne du moulin 64 roupies. Mais 0. Mais 32 roupies, moi, je vous donne. Correct? 61, c'est 32. 61, c'est 32. Combien reste pour donner du moulin? 29 roupies. Ouais, moi, je donne 16. Ouais, moi, je donne 16. Moi, tu as 16. 29, tu as 16. Reste 13 roupies pour donner. Correct? 13 roupies. Moi, je vous donne 13. Là, moi, je vous donne 8 roupies. Allez, moi, je donne 8 roupies. Combien reste? 13, tu as 8. Reste 5 roupies pour Denis. Correct? Mon cas Denis 4 roupies. Ouais, mon Denis. Reste 1 roupie. Ouais, reste 1 roupie, c'est ça. 1 roupie. Mon cas Denis des roupies. Et il y a mon Denis sur 1 roupie. Là, il pourrait être 0. Mon Denis, c'est 1 roupie. Bon, réponse qui m'en gagne. 0, N, 0, N, 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 0, N. Correct? C'est à moi checker mon réponse. Bon, ça va, bon, check. Mon cas checker mon réponse, pas bon. Il vient 128. Plus 30, plus 16, plus 8, plus 4, plus N. Nous ajoutons tout cela, nous avons ces réponses-là. Bon. Correct? Allez, nous ajoutons. 128 plus 30, il fait 160, 160 plus 16, 176 plus 8, fait 184 plus 4, fait 188 plus N, fait 189. Les comptes sont bons, 189. Ok, good. Ok. Ok, good. Bon, si Zoom finit de reconnecter là, hein, t'as l'entièrement libre de reconnecter. Allez, on finit ça là. Correct, on a trop vite, tous les enfants vont comprendre. Allez, 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 nous continuons. Je regarde mon vidéo si pas trop bien comprend. Bon, là, on va le faire descendre là. Descend. Correct, descend. Allez, descend à qui base il y a de sa base 10. Descend à base 10. Et il peut dire nous faire living base D. Et pour faire living dans la base D, nous avons créé la base D sur le coin qui est heading qui est là. N, D, 4, 8, 16, 30, 64, 128, 256. Correct? Allez, nous avons donné du monde là 200 roupies. Nous n'avons pas donné 256 roupies. Nous avons donné 128. Nous retirer là-dedans, nous mettre N là-dedans parce qu'il n'y a pas de donner. Je vais dire 200 roupies, je tire. 128 roupies là-dedans, il me reste 72 roupies restées. 72, je ne peux pas donner 64. Je ne peux pas donner 64, je donne 72, c'est 64, il me reste 8 pour rester pour donner. Allez, je ne peux pas donner 30, non. Je ne peux pas donner 16, non. Je donne 8. Et comment je donne 8 là? Reste 0, pas reste non, rien. 4 roupies, je ne peux pas donner 2 roupies, je ne peux pas donner 1 roupie, je ne peux pas donner. On va dire réponse 0, N, N. Bon, quand Zoom Line finit là, vous allez y rentrer. En parcours fini. Si jamais il finit, nous allons y rentrer là. Hein? Allez, mon récré réponse 0, N, N, 0, 0, N, 0, 0, 0. Parce que là, nous allons checker si nos réponses bon ou ça pas bon. Check. Allez, nous allons multiplication par 0, pas nécessaire. N fois 128, 128. N fois 64, 64. Les restes libres pour 0. Là, nous avons 8 pour ajouter là-dedans. Nous guettons ces réponses. Bon, je vais dire 128 plus 64, il fait toi 192. Plus 8 là-dedans, il fait toi 200.
Ok, le compte est bon, mon gars, 200. Ok, 200. Ok, good. Réponse là, bon. Ok, mon checker. Vous avez le droit de checker mon réponse. Bon, pardon. Allez, maintenant, nous avons l'autre dernière question. Mon quoi pour faire? Dernière question là, 255. Vous êtes tout d'accord? 255. Mon pécori, ça dévoile là. Hein? 255. Allez, 255. Dans qui base ça? Base 10. Et qui peut déjà nous faire les vini? Base 2. Correct? Allez, base D sur heading. 1, 2, 4, 8, allez, 16, 32, 64, 128, 256. Allez, 256. C'est un zélé malin, tu as fini avec la réponse à direct. Dis-moi. 2N. Ouais, ça 256 là, là, nous mettons 0, le là, pas 2N. Ok, moi, j'espère que les élèves là connaissent qui vont écrire. Sinon, il faut faire manuellement. Manuellement, faire 255, retirer 128, 128, gagner réponse, retirer 64, il faut aller. Réponse, il faut N, 0, N, 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 3. Attendez. Combien 0 là 3, 3 avec D. 3, 3 avec D. Ok. Voilà, 3, 3 et D. Bon, là, mon pensée est bon. Ok, tous enfants, correct, checker. Bon, ça fait la carte, checker réponse là, bon par bon, il pouvait 128, plus 64, plus 32, plus 16, plus 8, plus 4, plus D, plus N, plus D, plus N, il pouvait une réponse 255, avec sa trick qui m'a montré là. Allez, ça n'est terminé maintenant. Correct? Ctrl E avec delete. Allez, maintenant, vous montrez une deuxième méthode pour faire ça des voix là. Correct, aujourd'hui nous montrons une deuxième méthode. Sa méthode tout là pour convert quoi? Pour convert dinner in binary in une second method. Allez, nous reprenons. La question là c'est quoi? Nous pouvons reprendre la question là. Nous allons dire convert dinner to binary in deux méthodes. Méthode N, nous finissons expliquer. Méthode D, c'est pas division by two. Ça c'est déjà méthode. Correct, nous pouvons expliquer une deuxième méthode à ça. Allez, suivez ça bien. Dans l'examen, vous avez le droit de choisir entre ces deux méthodes-là. Vous avez laquelle plus facile. Moi, je trouve méthode N plus facile. Mais vous avez trouvé méthode D plus facile. Vous avez le droit de faire. Correct? Allez, méthode D. Nous prenons l'exemple. Faire comme on dit, les deux pour convert. Convert. Question, c'est convert. Convert, qui ça fait? 107 dans la base 10. Dans la base 10. Hein, la base 10. Faire living binary. Living base D, correct? Et ça qui diffère, suit bien. Il prend 107, il divise li par 2. Vous trouvez? Tu gagnes 53. Et 53 divisé par 2. Non, je reprends. 107 divisé par 2. Tu gagnes 53, remainder N. Tu prends 53, tu redivises par D. Tu gagnes 26. Et remainder N. Et tu reprends 26, tu divises par D, tu continues à diviser, tu gagnes remainder 0 parce qu'il divise exactement. Tu prends 13, tu divises par D, tu gagnes 6, remainder N. Et tu prends 6, tu divises par D, tu gagnes 3, remainder 0. Tu prends 3, tu divises par D, tu gagnes remainder N. Tu gagnes N, remainder N. Et tu prends N, tu divises par 0, tu gagnes 0, remainder N. Et tu prends 0, tu divises par 0, divise 0, remainder 0. Là, tu ramasses ça en remainder, là, comme ça. Voilà, ça vient 0, ça vient N, ça vient N, ça vient 0, ça vient... Attends, on a raté là. Une minute, nous prend... Ah là là, qui est arrivé là. Vin là, nous bisons gomme. Vin code pen, vin eraser, moré efface ça. Moré efface ça, ouais. Allez, moré, prends mon pen, moi pour expliquer. Pen, pen, vini pen. Voilà, il a pen, vini là. Allez, bon, nous prenons, nous reprenons l'île, hein, nous faisons l'île ensemble. Il prend 107 divisé par 2. Voilà. Combien il y a 53, remainder N. Il prend 53, il divise par 2. Il gagne 26, remainder N. Il prend 26, il redivise par 2. Il gagne 13, remainder 0, parce qu'il est exactement divisible. Et il prend 13, il divise par 2. Il gagne 0. Zoom in, coupé là. Ok, ben là, vous allez rentrer là. Ok. Oui, ne pouvez rentrer là, hein. Ne pouvez rentrer. Allez, ne pouvez rentrer là.
En fait, nous allons rentrer un petit peu par chance, pauvre. Zoom là, une coupée, après une rentrée. Parce qu'il nous fait deuxième session là. Et bien, allez là. Allez, ne pas trop tard au début. Il parle vite là. Allez, moi, une coupe vidéo là. Hein, pour pas perdre les temps là. Allez, tous les enfants me suivent. Ça fait tant de moi là. Allez, nous allons faire deuxième méthode. Allez, rate. Deuxième méthode pour convert base 10, faire living base 2. Correct? Allez, faire commenter dans l'examen, il donne 307, faire living base 2. Tu prends 107, tu divises par 10, toi les mêmes. Voilà, tu redivises par 10, tu redivises par 10. Tu ramasses remainder là. Et là, la remainder là, tu mets dans l'autre, comme ça. 0 là, tu gardes là, n là, living là. Tu ramasses ban remainder là, toi allez. Dans l'autre, tu ramasses remainder, c'est même ta réponse. Tu ramasses remainder là, toi allez. Tu ramasses remainder là, toi allez. Et tu ramasses remainder là, toi allez. Mais la réponse qui est tu peux venir ici. Tu peux venir 0, n, n, 0, n, 0, n, n. Sa réponse. Maintenant, nous pouvons le faire avant de voir là, n par n. Nous pouvons aider. Il y a un peu long, mais c'est moi qui ai besoin d'aider là. Hein? Nous pouvons 41, nous pouvons le faire living un binary. Deuxième méthode, appelle ça division method. Correct? Nous pouvons faire division method. Question là, pareil là. Convert. Voilà, regarde sa méthode l'appelle division method, successive division. Deuxième méthode. Allez, nous commençons. Nous reprenons le devoir qui nous fait, je vous besoin aide-moi pour corriger ce devoir là. Nous reprenons 41, 67, nous pouvons faire. Car nous allons faire tout. Soit nous donne autres comme homework pour vous faire. Mais qui méthode nous peut servir? Division method. Correct? Et nous supposons qu'il y a la même réponse. Allez, nous venons là. Nous prenons 41. Correct, 41, question c'est 41 mis dans base 10. Je vais faire une base D. Et qui méthode nous va servir? Division method. Division. On appelle ça successive division. Division method. Allez, prends 41, divise par 2. Qui est venu ça? 41 divisé par 2. Hein? Ouais, 20, remainder 1. Correct. À ce si les enfants, Oli, il est capable d'écrire remainder 1 là ici. Comme réponse, correct. Les redivise par 2. Correct. Bon, une coupée là, zoom là ou ça il aime là. Zoom là, une coupée. Allez, ride. Allez, tous les enfants l'aiment là. Hein? Allez, ride. Parfois, moi, pourquoi moi. Allez, nous ramassons sa première remainder de là, nous le mettons là. Hein? N. Allez, 20 divise par 2. Qui vient de moi? 10. Remainder combien? 0. Moi, ramasse ça 0 là, mon god là. Du bon là? Je redivise par 2. Il vient 5. Pourquoi une coupée là? Hein? Pourquoi une coupée là? Qu'il y a là? Nous restart. Pourquoi une coupée? C'était à 15, il est supposé fini. Allez, pourquoi une coupée ne peut résoudre là? Hein? Share screen. Allez, nous verrons rentrer tous enfants là. Hein? Encore une coupée, nous pourrons rejoindre là. Ok, nous pouvons faire une deuxième méthode. Je vous dis, moi j'espère que les enfants vont suivre. Je vais pratiquer, c'est moi. Je vais faire une vidéo là, je vais pratiquer. Je vais envoyer moi ce devoir. Un des élèves, il a envoyé moi des devoirs. Top. Mais pas tous les élèves qui peuvent envoyer des devoirs. Je vais travailler là. Je vais travailler très très dur pour ce premier. Ok, allez, nous continuons. Vous pensez tous les élèves pour rentrer là. Ok, tous les élèves pour rentrer là, oui. Gazador de devoir, tu es bien bon, hein, dans VB, mon corps. Mon corps, Gazador, il a vraiment ce devoir dans VB. Top, joli devoir. Et Gazador, il récit download sur VB. Les élèves qui ont des difficultés pour download sur VB, Gazador, car vous êtes sans link là. Dans le groupe là-bas. Ok, vous pensez qu'il y a dedans, même si vous voyez, tout de voir. Top. Allez, nous guettons une coupe, nous continuons. Des voix d'AVB, il y a dedans, il y a un coup, mais les vins, envoyez-moi. Top. Un Shahil aussi, tu envoyez-moi. Ok. Allez, mon corps, mes enfants, là, ben rentrer là. Hein? Allez, moi, mon corps, continue là. Mon corps. Quand je tout peux rentrer là. Allez, mon continue là-bas là. Hein? Mon minimal, les temps, puis allez. Allez.
Mon desktop, je peux trouver là. Hein, si tu ne pas mouse bien, je vais dire moi parce que moi, je vais remonter. Allez, mais tu prends 41, nous peux servir division method. 41 de base 10, nous peux faire division base 2. Nous prenons 41, nous divisons par 2. Nous gagnons remainder 1. Nous ramassons remainder là. Nous redivisons par 2. Nous gagnons. Ouais, nous redivisons par 2. Nous gagnons 10 remainder 0. Nous ramassons remainder là. Correct? Ah, c'est ce qui nous fait. 10 divisé par 2. Il fait à 5. Ok, il fait à 5. Et remainder est 0. Nous ramassons remainder là, mon mec là. Nous redivisons par 2. Et nous divisons par 2. Voilà. Divine 2. Et il vient remainder 1. Je ramasse remainder là, je mets là. Et je redivise par 2. Il vient n. Remainder z 0. Je ramasse remainder là, je mets là. Et je redivise par 2. Il vient 0. Remainder 1. Et je ramasse ça n là, je mets là. Et là, si je redivise par 2, il vient 0. Remainder 0. Le tout cas, mettre en cause 0 là, il ne peut pas faire rien. Maintenant, nous checker si nos réponses sont bonnes ou ça pas bon. Comment avant, nous peux checker. Bon, pour nous checker, nous devons mettre n là, nous devons mettre d là, nous devons mettre 4, 8, 16, 32 et 64 pour aller. Et réponse là, il faut 32 plus 8 plus n. 32 plus 8 plus n. 32 plus 8 fait 40, 40 plus n fait 41. Et réponse bon. Comment on trouve nous checker. Et qui méthode nous servir ici? Division method. Correct? Division method. Il faut que vous soyez dans l'examen si vous faites division method ou bien vous faire ça le première méthode là. Maintenant, je prends l'autre numéro pour checker 67. D'accord? 67, je vais faire division method. Allez, aide-moi là. 67, nous allons faire division method. C'est-à-dire, convert 67, leader base 10, l'épédiateur fait division base D. Correct là? 67 de base D. Bon, nous devons prendre 67, nous devons diviser par 2 et nous devons collecter remainder. Bon, 67 divisé par 2, il fait 33, très bien, 33, et remainder combien? N. Ok, on prend remainder là, on met là. On prend 33, on divise par 2, 33 divisé par 2, 33 divisé par 2, combien bien? 16. Et on écrit 16 là, remainder N. Regarde, on regarde remainder là. 16 divisé par 2, 10 fois 8 fait 16, non? Remainder 0. Et je commence à mettre ça là. Du moins là, 16 divisé par 2 fait 8. Et je redivise par 2, 10 fait 4, remainder 0. Je ramasse remainder là, je mets là. Je redivise par 2, 10 fait 2, remainder 0. Je ramasse remainder là, je mets là. Et je redivise par 2, 10 fait n, remainder 0. Je ramasse remainder là, je mets là. Et là, je redivise par D, il y a 0, il y a remainder 1. Je ramasse N là, je mets là. Si je redivise par 0, il y a N0 là. Correct? N0, il y a là, là. Je vais mettre 0 là, là, devant. Bon, si vous voulez, pas nécessaire mettre 0 là. Maintenant, pour checker si réponse là, bon par bon, qui vous avez fait pour checker réponse là, bon par bon? Vous mettez sur heading N, D, 4, 8, 16, 32, et 64. 128, là, il tombe 0. Mais il y a, il faut faire 64 plus 2 plus n. Bon, 64 plus 2 plus n, comment il fait? 64 plus 2 plus n, il fait toi 69. Hein, mon fait rien, là? 64 plus 2, comment il fait? 66 plus n, 67. Ouais, ouais, il est bon, là. Ouais, il est bon, là, 67. Bon, là? 67. 64 plus D fait 66 plus 5, 67. Et sa même réponse, nous, tu faisais gagner. Good. Ok, il dit bon là. Good. Very good. Ok, bien bon. C'est-à-dire réponse bon. Ok, je prends encore N l'exemple ou ça, je vous capable de faire ça pour eux. Je prends N encore ou ça, il vous homework, ça va par division method. Je vous essayez. Allez. Allez, homework, c'est de faire tout ça dans le numéro là. Je vais faire tout ça dans le numéro là en deuxième méthode. C'est-à-dire, déjà méthode, je t'encore rappelle là, c'est déjà méthode, c'est division method. Correct, division method. Et dans le livre là, on finit à vous autres, ça livre là. Et là, nous tu fais la première méthode, que nous tu peux donner un coin plus gros valeur, aller à tirer, tirer, nous tu peux aller. Déjà méthode, nous faisons division method. On fait un exemple, on recorde sa vidéo là, vous êtes guettés, vous faites ça exercice n.d là, vous faites libre division method. Ok? Maintenant. Allez, right. Mon pensée, je vous dis, je ne vais pas parler trop long, sinon pas de parler de confusion. Et la prochaine classe, là-dedans, je vais faire hexadécimal. Je veux dire, prochaine classe, je vais vous causer le hexadécimal. Je veux dire, hexadécimal base 16.
Correct, bah, c'est si vous pouvez mettre dans sa classe là, je pourrais être confusion. Mais vous ne pouvez pas mettre dans sa classe là. Vous pouvez donner ce petit devoir là, je vais le faire lire. Et dimanche, qui nous besoin pour paper 1. Correct? Dimanche, capable vers 4h, pour l'an, tu as besoin. Nous pouvons faire paper 1. Et paper 2, nous pouvons déjà continuer. Les élèves qui peuvent suivre, les élèves grade 10, puis vraiment, ceux qui ont fait le paper 2, le VB. Les élèves, ils ont vraiment le devoir. Et il y a un link pour download VB. Si vous avez des difficultés, envoyez-moi un message pour donner ce link là. Correct? Allez, devoir, mon finissez. Maintenant, une petite affaire, moi, je vous dire. Est-ce que tous les enfants connaissent que classroom était? Est-ce que tous les enfants connaissent dans nos classrooms que devoir était? Vous pensez, si je te lis, ouais, la plupart des élèves connaissent classroom côté. Mais ce qui pas connaît, moi, je peux donner une petite idée. Il y a une affaire qui s'appelle Classroom. Ok, moi je finis d'expliquer là. Là, une minute à résoudre. Pour les élèves qui pas trop connaissent, moi pour faire rentrer dans Classroom là. Ok, Classroom, il y a plusieurs Classrooms. Ça, c'est pour groupe lundi, ce code. Grade 10 lundi, correct. Et parfois, si moi oublié d'avoir des voix là-dedans, le carré dans le Classroom là. Capable là-dedans, peine à tout là-dedans. Et le Classroom, dimanche, qui se gagne plus beaucoup de notes, si moi pensez. Là. Grade 10 pour dimanche là, encore beaucoup de choses qui m'ont envoyé. Ça code là aussi, je vous apprends. Voilà, get là. Grade 10, l'année, la dimanche, ça se code. Et là-bas, m'ont envoyé beaucoup de devoirs. Voilà, ma vidéo, mes enfants, tu peux envoyer des devoirs. Vous pensez, celle-là ne vous plus servir là pour le moment. Et dans le livre, get syllabus, download livre. Et parfois, vous pouvez poster ma vidéo, get vidéo, une vini. Et tout ma vidéo, puis venir là-dedans. Ben là, ça met ben des voix. Vous pensez vous servir ça classroom là plus beaucoup. Correct? Allez, right. Mais encore question. Et je déjà dans un WhatsApp groupe, tous enfants connaissent. J'étais dans un WhatsApp groupe qui nous avait causé là-dedans. Je vous ai rendu un WhatsApp là, moi, vos autres messages. Allez, moi, presque arrive la fin de sa classe là. Si quelqu'un a qui se dit à moi, tous les jours, nous faisons tiki-tiki, nous parlons trop vite, nous parlons trop doucement. Allez. Par moi, on rentre trop en retard. Par moi, comment on rentre en retard? Pas grave, c'est vidéo là pour toi. Allez, pour moi, nous pouvons voir les vidéos là, nous puis stop.